L'heure était à la fête. À quelques heures de la nouvelle année, les stars se sont mises sur leur 31. C'est notamment le cas de Laetitia Hallyday, qui a misé sur une magnifique robe rouge à paillettes afin de fêter le passage à la nouvelle année, mais aussi de Kourtney Kardashian, qui a opté pour un ensemble argenté. À Dubaï, C'est entourée de son mari et de son fils que Nabila a fait la fête. Elle a ainsi partagé un cliché où elle porte une robe fendue noire, aux côtés de Thomas Vergara, qui est apparu dans un costume gris. En légende, la star a écrit « Bonne année à tous, plein de bonheur et la santé surtout ». Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, tous de blanc vêtus, ont fêté le nouvel an au restaurant, à Dubaï. Sur Instagram, la star des Marseillais a écrit « On vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Amour, bonheur mais surtout la santé. Merci à vous de faire partie de notre vie, on vous aime. » En amoureux, Caroline Receveur et Hugo Philippe se sont également offert une soirée en tête-à-tête pour conclure l'année en beauté. De son côté, Iris Mittenard a partagé, « Chaque année, j'ai envie de m'ambiancer au nouvel an, mais à chaque fois ça finit en soirée à la maison. Étudiante, je révisais et je faisais une pause de 5 minutes pour écouter les feux d'artifice. Cette année, on voulait prévoir un truc, mais j'ai des shootings très importants début janvier et j'ai trop peur de choper un sale virus. Donc je vais faire le nouvel an tête à tête avec Diego, mais je vais quand même me mettre en mood nouvel an. » Un peu plus tard, elle a indiqué, petit rappel à ceux qui passent un nouvel an de merde, les premières heures de l'année ne définissent pas les 364 jours restants, je me dis ça tous les ans presque. Matt Pokora, quel réveillon de pantouflard. Père de deux jeunes enfants, Matt Pokora n'est pas sorti pour fêter la nouvelle année. Sur Instagram, il a ainsi partagé une vidéo où il souhaite une bonne année à ses fans en chuchotant. En légende, le chanteur a écrit « S'adore là-haut. Quel réveillon de pantouflard !» En story, sa femme, Christina Milian, a indiqué quant à elle « On est à la maison ce soir, c'est assez tranquille, on est avec les enfants. Je fais à manger, des steaks, de la salade, du caviar, des pommes de terre. On reste à l'abri du Covid-19. Joyce Jonathan, maman d'une petite Giulia, a quant à elle été se coucher avant minuit. Bonne année les amis. Kiffez bien votre soirée. Pas de pression pour ceux qui se couchent avant minuit. A-t-elle écrit sur Instagram. Enfin, C'est quelques semaines après avoir donné naissance à sa petite Céleste que Fabienne Cara a affiché sa sublime silhouette sur Instagram. Afin de fêter la nouvelle année comme il se doit, Laurie Tillman et Juan Arbelaez se sont rendus sur une plage au Costa Rica. De son côté, Christina Cordula a admiré un magnifique feu d'artifice à Rio. Si Clémence Bottineau l'a fêté entre copines avec Sophie Diri, troisième dauphine Miss France 2020 et Evelyne de la Richaudy, Miss Île-de-France 2019, Amandine Petit a passé la soirée chez ses parents et portait des chaussons licorne. À Deauville, Elsa Esnou a également passé la soirée en famille. Belle et merveilleuse année 2022 à toutes et à tous. Même si cette période étrange semble toujours bien présente, je ne perds pas espoir que nous retrouvions une vie normale un jour ou l'autre. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que nous n'y arriverons pas. A-t-elle écrit sur Instagram. Loading DJ.